on est sur une parcelle de 16 hectares de maïs en bio. Donc c'est le premier binage qu'on fait sur la parcelle. On a déjà passé un coup de houe rotative et de RC-tri et là c'est le premier binage car les fenêtres météo n'étaient pas propices. On a eu des orages, des pluies ces derniers jours. Donc là on peut voir le colza. Donc le binage permet aussi de casser la croûte de battance parce que ici le maïs est dans un limon très profond, limon battant. Donc là on peut voir que il a plu hier, après on a pris 10 mm et ça permet de casser la croûte comme à côté, là on voit que c'est dur. Nous là le but du binage c'est aussi de ramener un peu de terre sur le rang pour essayer de recouvrir les mauvaises herbes qui sont sur le rang là, donc on fait un butage en gros avec la bineuse.